Nama kambwele kinga mayele Nabele lakayo Nabele lakayo Yahweh. C'est la vérité, rien que la vérité, nous devons venir en tête. La cola, la nacolo, ça n'a collé la magie. C'est la vérité, rien que la vérité. Je vous ai dit que j'ai été battu par plusieurs personnes. Vous allez voir la chemise. Vous pouvez me permettre. Le pantalon. Je suis resté. Je suis. Je suis resté. C'est la vérité, rien que la vérité, nous devons venir en tête. C'est la vérité, rien que la vérité, nous devons venir en tête. C'est la vérité, rien que la vérité, nous devons venir en tête. Quand je m'étais comme une gagne, comme un bambou, bien pire, la vérité, rien que la vérité, la la vérité, c'est la vérité, rien que la vérité, nous devons venir en tête. C'est la vérité, rien que la vérité, nous devons venir en tête. Bolito. Le dimanche, le jour du match, la délégation est partie au stade. Nous sommes entrés parce que devant il y avait le bus. Et nous, les officiels, nous étions dans une voiture derrière le bus. Parti parquer le bus juste à côté du vestiaire. Maintenant, les joueurs ont préféré entrer sur le terrain, essayer un peu de voir l'état du terrain, comme ils n'ont pas pu s'entraîner le samedi. Et c'est alors qu'il y a eu des gens de Lima qui ont refusé à ce que les joueurs entrent sur le terrain. La 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 la
capitaine, je suis. Le tout, les gens ont touché. Même monsieur Deniba qui a tapé sur le joueur Bafuta qui est tombé, vraiment c'était, la situation était grave. C'est la vérité, révèle la vérité, on t'écoute. Et alors on a commencé à lancer des pierres, même les gens qui étaient censés assurer la sécurité, c'est-à-dire les policiers, sont entrés dans la danse. Il y a eu un imbroglio tel que je me suis dit, quand j'ai vu le président sectionnaire de l'ASV Club, M. Tshisekedi, qui partait parce qu'il y a le bus qui avait amené les joueurs. Les équipements se trouvaient dans ces bus et les bus commençaient à quitter le stade. Donc les équipements étaient là, les vareuses, l'eau, le ravitaillement de joueurs pendant le match. Ça commençait, le bus commençait à sortir du stade. Alors Tshisekedi courait derrière le bus. Comme j'avais vu qu'il y avait, de ce côté-là, il y avait beaucoup de supporters. Je suis parti, je courais derrière Tshisekedi pour lui dire de rentrer parce qu'il allait dans un endroit qui n'était pas sécurisant. Alors, il a compris, quand il rentrait, il y a eu une foule de gens qui m'ont suivi. Lui a pu s'échapper et ils ont commencé à me battre. Ils ont fouillé les poches. Il y avait une montre Rolex qui est partie. Heureusement, l'argent que j'avais, comme j'étais en tenue officielle, en costume, ils ont essayé de prendre mon passeport et l'argent que j'avais. Bon, j'ai protégé. C'est comme ça qu'ils n'ont pas pu prendre l'argent. L'œil tuméfié. Et jusqu'à présent, j'ai mal. En tout cas, je dois faire une radio. C'est la vérité, révèle la vérité, on t'écoute. Dis-moi, un rabot, c'est un bon maman. Mon amour, tout. Il est pas très haut, maman, vous vous savez. Dis-moi, il est pas très haut, maman, vous vous savez. C'est la vérité, rien que la vérité, nous sommes venus en tête. C'est la vérité, rien que la vérité, nous sommes venus en tête. C'est la vérité, rien que la vérité, où on met des bolivos. Je vous ai dit que j'ai été battu par plusieurs personnes. Heureusement que Dieu est avec moi, sinon je serais venu dans un cercueil. Heureusement que Dieu est avec moi, sinon je serais venu dans un cercueil. Je vous dis que je souffre. Quand j'essaie un peu de tousser, j'ai très mal. Je ne sais pas s'il y a des dégâts à l'intérieur. C'est la vérité, rien que la vérité, on met des bolivos. Bon, d'abord je remercie mon Dieu parce que c'est par sa grâce que nous sommes là, nous sommes devant vous. Et nous avons eu quand même cette opportunité de rentrer dans notre pays. Au Nigeria, à Abba, ce n'était pas un match de football. C'était un champ de bataille où on a retrouvé le supporters de cette équipe battre comme des serpents le joueur de V-Club. Et moi, en tant que journaliste, d'abord, j'ai été empêché pour prendre les images.
Et j'ai tout fait pour ramener les images au pays, tellement que je prenais partie par partie. Je prenais d'abord le premier cassette, le deuxième cassette, et ils ont remarqué que moi je prenais les images et j'étais maintenant l'homme bien ciblé. Après le match, donc en fait avant le match, on m'a donné la place dans la logette des presses où le journaliste est censé de faire calmement son travail. Mais curieusement, j'ai été cédé par mes amis journalistes. On m'a pris, on m'a frappé, on m'a amené quelque part où je n'ai pas assisté au match de football. Le premier but, je n'ai pas vu. Le deuxième but, je n'ai même pas vu ça. Et j'étais en train d'être battu copieusement comme un serpent. Alors que, même, excusez-moi, je vais couper le sac. Vous allez voir la chemise. Vous pouvez me permettre. Le pantalon. Je suis resté. Je suis. C'est la vérité, rien que la vérité, où on met des bolivos. C'est resté à moitié au stade. Vous avez vu, vous avez vu la chemise. Actuellement, il n'y a pas de football au Nigeria. Moi, je demanderais peut-être, c'est un conseil que je pourrais donner aux équipes de Kinshasa, aux supporters de Kinshasa. Il ne faut jamais encourager l'équipe adverse. Soyons unis lorsque nous avons l'intérêt national. C'est ça. Ça me fait mal de voir et les policiers nigériens et les gens de sécurité nous frapper. Nous, un policier qui te frappe, il te brandit l'arme comme ça, il te dit je vais te tuer, I will kill you. Et alors on a commencé à lancer des pierres, même les gens qui étaient censés assurer la sécurité, c'est-à-dire les policiers, sont entrés dans la danse. Il y a eu un imbroglio. Alors là, nous avons les images à quelques heures du match. Expliquez-nous comment vous avez pu prendre ça. Là, c'est déjà quelques heures du match, Alain. Après avoir perdu déjà la première caméra, ça c'est la deuxième caméra qui nous a permis de prendre. Et voilà la bagarre qui commence. Quand on a commencé à frapper le joueur, moi j'étais là, je voulais prendre les images et j'entrais déjà dans la bagarre. Parce qu'il y a un monsieur qui m'a empêché de prendre les images, j'ai laissé la caméra rec, ouverte. Voilà Chico Bafuta qui est tombé, le joueur, parce qu'on l'a frappé avec un bâton. Il y a Romaric Rogombe blessé, on est en train de le soigner. Le Gabonais, il est tout de suite rentré. Libreville au Gabon. Et les premières images, à chaque fois je filmais, je gardais les images, les cassettes. À chaque fois je filmais, je gardais la cassette. Là, c'est comme ça que vous avez pu déjouer. Déjouer à leur jeu. Parce qu'ils me voyaient prendre toutes les images. Le monsieur là qui voulait maintenant m'empêcher de prendre les images, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, après 5 ou 6 minutes, je peux prendre une autre cassette afin de filmer. Et c'est ce qui m'a permis. Voilà, le secrétaire général de la fédération Badi, il a reçu un coup. Ce n'est pas pour inciter. Je ne dis pas pour inciter les Congolais plutôt à la violence. Absolument pas. Mais c'est pour relater le fait. Tout à fait. Parce que nous, moi personnellement, j'ai quitté Kinshasa pour aller au Nigeria. J'avais le bras. Ah oui, si on peut voir ça de plus près. Allez-y. Le bras était en forme. Et aujourd'hui, je suis rentré avec un bras qui ne fonctionne pas, à moitié handicapé. Voilà. Le tout les gens à coucher. Allez, continuez.
C'est la vérité, rien que la vérité, où on met des polygones. C'est resté. Vous avez dit que j'ai été battu par plusieurs personnes. Vous allez voir la chemise. Vous pouvez me permettre. Le pantalon. Je suis resté. Je suis resté. À moitié. Au stade. Lelo. Yemba ya suka na makambo le kinga mayele on y va. Engai lokola Dawiti atali boswa Goliath na yebi na kolonga he. Makambo ele kinga mayele na yo na bele la kayo yawe osanza mbeli kolo na nyoso na yebio kosala ye okosala ye. Belle la canane. La belle la caillou. La belle la caillou. Au sans ambi, bato balake la kanga ma belle. Au sans ambi, l'icolo na yonfo. Na yebi, je sais. Na yebi, okosale. Na belle la caillou. Na bele la kayo na makambo ele kinga mayele na bele.